Bienvenue dans cette rétro de l'actualité santé 2022 sur Gabon 24. Bienvenue Sabrina. Merci Vanessa. Alors pour cette année 2022, l'émission Reste en santé a fait peau neuve et a revu son format. Oui Vanessa, en plus de l'entretien avec le spécialiste, une partie immersion a été conçue pour permettre une meilleure compréhension des sujets traités. Oui, Sabrina, 2022 a été riche en émotions. Nous avons visité le centre de rééducation mot à mot, un centre qui s'occupe des enfants atteints de handicap tels que l'autisme. Un handicap qui, rappelons-le, n'est pas synonyme de fatalité selon le neurochirurgien Michel Arnaud Safoudamon que nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre plateau. Il se dit que les premiers signes sont souvent perceptibles avant l'âge de 3 ans. Quels sont-ils ces signes ? Oui, 3 ans, c'est même déjà très avancé. Les premiers signes peuvent être perceptibles très tôt, dès les premières interactions. Les troubles du spectre de l'autisme se caractérisent par un déficit des interactions réciproques. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas interagir avec la personne en face de lui. Et la première personne, c'est souvent la maman. Il ne va pas poursuivre du regard, il ne va pas sourire à la mimique, il ne va pas se repositionner lors des tétés et plus tard, quand la motricité sera mise en place, quand il va marcher, il ne va pas jouer de façon réciproque avec son environnement et plus tard, quand le langage s'installe, il n'aura pas cette communication interactive afin d'atteindre un but avec son entourage. Donc les premiers signes sont là sur la communication réciproque. On a également un autre signe qu'on appelle les intérêts, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à très peu de choses et quand il s'intéresse à une chose, ce sera toujours la même chose de façon stéréotypée. Donc on a des intérêts restreints, stéréotypés qui vont être présents. En gros, autisme, communication réduite, intérêts restreints, stéréotypés. Les retours sont donc bons et encourageants. Oui, on a des enfants qui ont fait le CEP et il y a un actuellement qui va passer le CEP. Très bien. Donc c'est une fierté. C'est une fierté pour le centre. Mais lorsque la prise en charge est faite de manière précoce. Alors Madame Gaëlle Moukengue, on se rend compte qu'ici au centre de rééducation mot à mot, c'est toute une organisation qui est faite pour mieux accompagner les enfants victimes de déficience. Il n'y a pas que les éducateurs, il y a également des spécialistes en santé qui viennent renforcer les efforts fournis ici. On travaille conjointement avec le psychologue, des pédiatres parce qu'ils nous envoient des enfants et aussi le neurologue. Tous les 15 jours, un neurologue vient sur place au lieu qu'ils aillent dans un hôpital où il y aura d'autres parents qui ne comprendront pas justement ces troubles de comportement. C'est important de travailler avec le corps médical sans s'entourer. Alors avec vous, on comprend très bien que le centre de rééducation mot à mot travaille comme il se doit. Mais il n'y a pas que cette prise en charge, il y a également un espace vert aménagé pour mieux accompagner ces enfants. Après vous, madame. Ici, c'est l'espace vert, donc tout ce qui est jeu, tout ce qui est veille, vraiment. D'accord. Des champs, des cantines, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient constamment enfermés dans les salles de classe. Donc, il y a des ballons, travailler la motricité générale, motricité générale, beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux. Beaucoup d'interactions, ouais, visuelles, sous contact. Et là, on se rapproche. Tout ceci n'est pas là en vain. On a du sable. Pourquoi du sable? Oui, parce qu'on travaille aussi l'appréhension, toucher. Ils apprennent à toucher, manipuler. Donc, ils apprennent à mettre les pieds sur le sable. Pour avoir cette sensation, c'est ça? Voilà. Parce que lorsqu'on touche du sable, on ressent. Hein. Oui, on ressent la texture, voilà, les couleurs. Donc, on sait ce que c'est, on fait la différence. Nous vous invitons à présent à regarder avec nous ce numéro dans lequel nous sommes revenus sur le rôle du SAMU social gabonais dans la lutte contre la cataracte au Gabon. Et oui, pour ce numéro, nous vous avons permis de voir le parcours d'un patient atteint de cette affection visuelle. Le constat qui en ressort, Sabrina, est qu'il est possible d'en guérir si le diagnostic est vite posé. Effectivement. Docteur, il est dit que passé 25 ans, 2 personnes sur 3 sont atteintes de cataracte. Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Si oui, lequel? Bon, c'est un peu comme le cancer de la prostate chez les hommes. Hein. Éviter ou pas, c'est un peu très, très, très commun. Par contre,
on a des problèmes. Déjà, on taux d'accès aux soins pour faire des contrôles ophtalmologiques. D'accord. Parce que la cataracte ne devient pas cataracte comme ça. Il y a quand même, ça prend du temps. Vous perdez la vue progressivement jusqu'à ce que vous arrivez à, je vois flou, je ne vois plus bien. Je crois que j'ai un problème. Si c'est la cécité, c'est que vous avez gardé longtemps. Donc, si on fait des contrôles, on peut déjà éviter la situation de présence de cataracte. Déjà, si on fait des contrôles. On comprend avec vous que le SAMU social joue un rôle assez important dans le pays. Docteur, retrouvons à présent Vanessa Tsogou de notre rédaction. Elle nous plonge dans l'univers du SAMU social gabonais. À ses côtés, le docteur Agaya, ophtalmologue. Christian, merci. Oui, Sabrina, nous sommes ici au SAMU social qui est l'une des structures au niveau national qui traite de la cataracte. Nous allons à la rencontre du docteur Agaya qui est un ophtalmologue au niveau du SAMU social et avec lui nous ferons le parcours d'un patient atteint de cataracte. Suivez-moi. Bonjour docteur Agaya. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, selon nos recherches, la cataracte est à la tête des affections visuelles au Gabon. Qu'en est-il au niveau du SAMU social? Très bien, effectivement. On peut déjà retracer même au niveau du niveau national, au niveau mondial, c'est près de 100 millions de personnes qui sont atteintes de cataractes non traitées. Donc la cataracte est une des causes majeures de déficience visuelle, c'est-à-dire de baisse de vision sévère, voire même de cécité. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'organisent pour essayer de réduire ce qu'on appelle le fardeau de la cataracte au sein des populations. La particularité du SAMU, c'est que le SAMU social gabonais essaie d'offrir une réponse en continu hors caravane à cette problématique. Et donc, le SAMU social accueille des ophtalmologues comme moi, des professionnels de santé qui sont prêts à participer à cette œuvre sociale de réduction de l'impact de la cataracte dans la société gabonaise. Alors, le SAMU social, bien qu'offrant des soins gratuits, est équipé d'appareils sophistiqués de dernière génération. Et nous sommes ici pour visiter les locaux avec vous. Allons-y, suivez-moi. Je vous suis. Docteur, lorsqu'un patient atteint de cataracte arrive au SAMU social, comment cela se passe? Lorsqu'un patient arrive au SAMU social, en fait, il y a un parcours de soins à faire. Ça commence en haut avec les paramètres généraux, systémiques. Ensuite, on va aller vers des explorations de plus en plus spécialisées. En haut, on va prendre la tension, on va prendre le poids, on va poser des questions sur les antécédents et autres de la personne, mais ici, on rentre vraiment de plus en plus à l'intérieur du système visuel pour comprendre pourquoi cette personne a une baisse de vision et quelle est la contribution de la cataracte dans cette baisse de vision. Donc c'est très important de faire ce parcours de soins pour pouvoir déterminer, in fine, si la personne est opérable ou pas. Alors nous sommes ici à l'entrée du bloc opératoire qui est un endroit assez sensible. Nous allons devoir porter des masques afin de respecter l'hygiène et pour ne pas contaminer le malade. Suivez-moi. Ce qu'il faut dire, c'est que la chirurgie de cataracte ne se fait pas avec anesthésie générale le plus souvent, sauf si nécessaire. Cette patiente a eu son anesthésie locale qui a été faite déjà. Et à partir de là, l'équipe chirurgicale va s'activer pour entamer la chirurgie. Vous voyez que c'est une chirurgie qui va se faire avec un gros microscope chirurgical. C'est un microscope qui permet aussi de faire non seulement la cataracte, mais d'opérer aussi la cornée et d'opérer aussi la rétine. Autre thématique abordée durant l'année, la drépanocytose, qui est la maladie génétique la plus répandue au monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour vous, chers téléspectateurs, nous avons recueilli des témoignages des personnes malades. C'est une maladie génétique, comme vous l'avez dit, qui se transmet
de parents à enfants. Alors, la drépanocytose affecte les globules rouges dans le sang, donc elle cause la déformation de ceux-ci, donc obstruant les vaisseaux sanguins. Expliquez-nous-en. Alors, dans cette maladie, il y a une anomalie au niveau des gènes, les gènes qui amènent à la fabrication de l'hémoglobine, l'hémoglobine étant cette substance qui donne la couleur rouge au sang et aux globules rouges. Et donc, c'est cette substance qui est impactée dans cette maladie. Et donc, du coup, les globules rouges n'ont plus leur plasticité, leur souplesse habituelle, chez les sujets normaux. Et donc, dans des conditions, certaines conditions, ces globules rouges vont se déformer. Et en se déformant, la circulation au niveau des vaisseaux sanguins ne se fera plus correctement. Donc, ça va amener à boucher les vaisseaux sanguins. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est ce qui explique d'ailleurs le principal signe de cette maladie, qui est la douleur, le fait d'obstruer les vaisseaux sanguins. Vivre avec la drépanocytose n'est pas toujours facile. Comment arrivez-vous à tenir ferme ? Alors, vivre avec la drépanocytose n'est pas facile, n'a jamais été facile, notamment pour moi. Le plus difficile, c'est la stigmatisation et le regard des autres. Lorsqu'on sait que vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes performances que les autres, mais c'est une vue de l'esprit. Parce que je pense que je suis, humblement, je peux dire que je suis à cet exemple-là d'un malade drépanocytaire qui a pu franchir toutes les étapes. C'est vrai que je suis toujours en progression, mais qui peut vivre normalement, qui peut avoir une famille, qui peut avoir un emploi, et qui peut travailler et qui peut être un motif d'espoir pour ceux qui vivent la maladie aujourd'hui et qui ont tendance à perdre un peu espoir, parce que je vous dis que les phases de crise, les phases de maladie, lorsqu'elles s'expriment, elles sont vraiment difficiles à vivre. Et c'est toujours bien d'avoir des personnes sur qui on peut s'identifier. Des personnes autour de soi. Des personnes autour de soi. Moi, j'ai eu beaucoup d'exemples quand j'étais jeune, des gens qui me disaient à chaque fois que ça va aller, qui avaient un discours rassurant. Et puis, bien évidemment, le discours le plus rassurant, c'est le discours des Saintes Écritures. Parce que lorsque vous avez foi en Dieu, vous savez que lui, il est là, il vous soutient. Rien ne peut vous ébranler. La prise en charge n'est pas totale. C'est vraiment 50-50. C'est toujours compliqué. Déjà qu'on a qu'un seul hôpital qui nous reçoit bien. Et cet hôpital, il est vraiment excessivement cher. Et quand on arrive par exemple à des factures de 700 000 francs et que la CNAMGS prenne une moitié, nous aussi on va prendre une moitié. Et quand on est dans des familles de bas social moyenne comme nous, c'est un peu compliqué parce qu'on peut avoir deux crises par mois et on va dépenser au maxi près d'un million par mois. Et avec quelle base de salaire? Il y a donc des choses à revoir du côté de l'État dans la prise en charge. Dans la prise en charge. Et qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Vous parliez d'une prise en charge 50-50. Pour vous, par exemple, qu'est-ce qui peut réellement vous aider? Ce qu'ils essayent de vraiment prendre cette prise en charge totalement. Totalement. Parce que c'est compliqué. L'éducation thérapeutique du patient fait également partie des points dont nous avons parlé au cours de cette année 2022. Oui, Sabrina, la partie immersion de notre émission nous a conduit dans un centre chargé du suivi des personnes atteintes de maladies chroniques. Sabrina, pour ce numéro d'Instant Santé, nous sommes invités ici au centre Focus Santé, qui est un centre spécialisé dans l'éducation à thérapeutique du patient. Derrière cette porte, Madame Melinda Mba, qui elle est infirmière ici au centre. Avec elle, nous allons découvrir toute l'importance de cette pratique dans notre pays. Bonjour Madame Mba. Bonjour Madame Vanessa. Merci de nous recevoir dans vos locaux.
Merci également d'être là. Alors, vous êtes infirmière ici au centre Focus Santé. Exact. Dites-nous, quel est le rôle de ce centre? Le rôle de Focus Santé ici, c'est de faire de l'éducation thérapeutique du patient. Elle permet de rendre le patient autonome. Aussi, nous faisons le suivi du patient à domicile. Donc, Focus Santé a pour but premier l'éducation thérapeutique dans plusieurs domaines, donc plusieurs pathologies, notamment l'asthme, le diabète et l'hypertension artérielle. Et vous voyez, je suis avec M. Zengi. Nous étions en train de discuter sur une pathologie qui est le diabète. Donc, il était là la semaine dernière pour sa sœur. Donc, il est là pour prendre des informations. D'accord. Et dans la première séance avec M. Nzengi, nous avons présenté d'abord la charte d'engagement. Et dans cette charte d'engagement, nous respectons l'éthique et la déontologie du patient. Et si le patient il est d'accord, alors là, nous commençons l'éducation thérapeutique avec notre patient. Et après cette charte d'engagement, nous lui présentons un questionnaire qu'il va remplir de manière anonyme. Après le remplissage, nous allons prendre et l'évaluer plus tard et lui donner des informations via WhatsApp ou encore par téléphone. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour une personne qui est atteinte de maladie chronique de fréquenter un centre comme Focus Santé? Bon, on peut dire que c'est important parce que Focus Santé permet à la personne qui a une maladie chronique de vivre avec. Vous enseignez les gestes, quels sont les bons gestes? Voilà, nous enseignons des gestes, comment faire dans certaines pathologies. C'est un travail encourageant que vous faites du côté de Focus Santé, hein. L'élément que nous venons de voir en est d'ailleurs la parfaite illustration. Vous avez mis en place récemment un programme d'éducation thérapeutique sur le diabète pour permettre aux patients de mieux vivre avec la maladie. Qu'est-ce qui est fait concrètement à ce niveau-là? Il faut savoir que l'étape, il y a plusieurs étapes dans l'éducation thérapeutique. Donc le patient, lorsqu'il vient, il a d'abord un diagnostic éducatif qui nous permet d'identifier ses objectifs d'apprentissage. Et c'est ce que nous avons vu avec l'infirmière. Ça nous permet justement de faire un diagnostic et d'identifier quels sont les besoins. Parce que ce sont des programmes qui sont personnalisés aux patients. Donc au sortir donc, de notre programme, parce qu'il y a plusieurs séances, nous avons trois séances avec les infirmières, plus aux besoins, dépendamment du niveau de connaissance du patient. Et il faut savoir que tout au long de notre programme éducatif, nous avons également des questionnaires qui nous permettent de voir le niveau de connaissance et les attitudes des patients pour voir si nos objectifs communs sont atteints. Et enfin, donc, de programme, nous évaluons le patient et nous leur remettons un compte rendu auquel ils partent avec cela auprès de leur médecin traitant pour dire que oui, il a suivi un programme d'éducation thérapeutique et il est apte, il maîtrise sa maladie et il est capable de vivre au mieux avec sa maladie. Est-ce que vous gardez également le contact avec les médecins traitants de chaque patient, par exemple? Nous avons, c'est quelque chose que nous posons la question aux patients, quel est le nom de leur médecin, parce que ça permet justement d'avoir un contact avec le patient, savoir également quels sont leurs besoins, quelles sont les attentes de ce médecin face à leur patient. Et ça permet à ce que le patient soit bien encadré et vraiment que l'on considère, qu'on met vraiment le patient au centre. Et puis, notre intérêt pour le secourisme nous a conduit du côté de la Croix-Rouge gabonaise. Oui, Vanessa, la présidente de cette organisation humanitaire, a partagé avec nous les rôles et missions de cette organisation après un tour d'horizon sur les gestes de premier secours. La Croix-Rouge gabonaise a pour mission principale de prévenir et d'atténuer les souffrances des personnes les plus vulnérables. Concrètement, comment procédez-vous sur le terrain? Autrement dit, quelles sont les actions mêmes que vous menez? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est notre mission, notre sacerdoce, prévenir et atténuer les souffrances des personnes vulnérables et donc, par conséquent, sauver des vies. Et pour le faire, nous avons notre réseau de volontaires, parce qu'il n'y a pas de Croix-Rouge sans volontaires. Exactement. Et c'est donc la cheville ouvrière de la société nationale, la Croix-Rouge et les Croissants Rouges, ce sont les volontaires. Donc nous avons un grand réseau de volontaires, très vaste réseau, de plus de 3 000 volontaires répartis sur l'ensemble du territoire qui œuvrent
pour l'atteinte de cet objectif qui est celle de sauver des vies. Plus de 3000 volontaires, quels sont les profils de ces volontaires? Déjà, la Croix-Rouge a pour principe fondamental la non-discrimination. Et par conséquent, on a tous les profils utiles qui peuvent apporter leur aide à l'action communautaire que nous menons au quotidien. Donc nous pouvons avoir des professionnels, des retraités, des sans-emploi, des étudiants. Donc il y a des profils divers. Des profils divers, on les retrouve également dans les différentes provinces, en grand nombre bien évidemment à Nègreville. Exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que la Croix-Rouge est présente sur les neuf provinces que compose le Gabon, dans les départements également, et nous ambitionnons également atteindre les districts. On veut avoir la même représentation territoriale que couvre le ministère de la décentralisation. Nous voulons également nous étendre sur l'ensemble du territoire gabonais. Alors, ici, nous allons voir comment on exerce les gestes de premier secours sur les mannequins ou sur tout type de personnes. Le mannequin, c'est juste un exemple. Donc, comme je disais, que lorsqu'on exerce les gestes, il y a la conduite à tenir. Lorsqu'on arrive face à une situation, si c'est lors d'un étouffement, par exemple, il faut d'abord sécuriser le lieu. Parce que lorsqu'il y a un accident ou un incident, il y a toujours des personnes qui accourent, il y a des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Et la personne fait un malaise. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est de sécuriser, c'est-à-dire nous assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui peut causer un suraccident. D'accord. Donc on va regarder autour de notre victime, qu'est-ce qui a causé en fait son malaise. Et ensuite, on se rapproche de la victime et on va faire l'examen de la victime. Okay. C'est en examinant la victime qu'on se rend compte que la victime a certainement fait un étouffement. On va alors exercer les gestes de premier secours. Mais avant d'exercer également les gestes, on va alerter, c'est-à-dire demander de l'aide. On peut appeler les passants, on peut appeler le service d'urgence, comme on a dit tout à l'heure avec les sapeurs-pompiers. Okay. Après l'alerte, maintenant, on va faire le geste qu'il faut. Lors d'un étouffement total, par exemple, on va appliquer des gestes comme cela. On va faire des claques entre les deux omoplates, ici. Ça va permettre en fait à la personne d'avoir une sensation de tout. Et ayant cette sensation de tout, va pouvoir rejeter l'objet qu'il a, qui obstrue ses voies aériennes. Donc, c'est 5 claques au niveau des deux omoplates qu'on va appliquer rigoureusement. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 bonnes claques, tout en regardant si l'objet est sorti. Si l'objet n'est pas sorti, on va refaire un autre geste qui s'appelle ici la technique d'Emlich. C'est une compression abdominale. On va placer notre poing au niveau du dessus de l'ombrine, pas sur le lombrine, entre la jonction des côtes au sternum. Donc on va placer l'autre main au-dessus. Et ensuite, on va faire la compression. D'accord. En appuyant très fort pour que la personne puisse dégager l'objet. Okay. Et cette technique, en fait, permet aux alvéoles, vous savez qu'il y a de l'air toujours dans les poumons, et ce air va vouloir chercher la sortie. Et en voulant chercher la sortie, l'objet va sortir. Ça donne un effet piston. C'est comme une bouteille qui est fermée. Et si vous tapez sur la bouteille, le bouchon va sauter. D'accord. Donc voilà un peu, ça c'est lorsqu'une personne s'étouffe. Et nous savons aujourd'hui que les maladies cardiovasculaires constituent un véritable fléau dans notre pays, le Gabon. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de malaise cardiaque, par exemple? Donc en cas de malaise cardiaque, c'est un autre geste, par contre. Comme je disais tantôt, il y a des gestes appropriés à chaque malaise. Et là, ici, le geste pour réanimer, on appelle ça la réanimation cardiovasculaire. Okay. Donc, on va enlever, dénuder notre victime. Bien évidemment, on a terminé de sécuriser, de regarder s'il n'y a pas quelque chose autour qui va gêner ou causer un suraccident. Par la suite, on se rapproche de notre victime. On va examiner d'abord la victime, savoir si la victime est en arrêt cardiaque. Et cet examen se fait comme suit. On va basculer la tête en arrière et on va faire le joy. On appelle ça chez nous le joy.
C'est-à-dire que l'oreille, notre oreille va écouter les flux des narines et la joue va ressentir les flux de la bouche et les yeux vont regarder le mouvement du ventre. Donc pendant 10 secondes, on va rester là en écoutant, en regardant. Et si pendant 10 secondes, on s'aperçoit qu'il n'y a ni mouvement, ni sortie de l'air, et tout de suite on conclut que la personne est en arrêt cardiaque. Okay. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer le massage cardiaque. Le massage cardiaque se fait au niveau de la cage thoracique, parce qu'en dessous, nous avons le cœur. Donc, la technique ici, c'est de comprimer le cœur et de relâcher afin que le cœur puisse émettre le sang dans les organes. D'accord. Donc, c'est ça, en fait. On doit atteindre le cœur. D'où, on va appuyer fort au niveau de la cage thoracique. À la partie supérieure du sternum, on va appuyer 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9, 10 et 11 et 12 et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. C'est 30 compressions. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le bouche-à-bouche. Mais on appelle ça chez nous insufflation. D'accord. On va insuffler, c'est-à-dire envoyer de l'air au niveau des poumons. Et pour le faire, on va d'abord boucher les narines, okay. Ouvrir largement la bouche et on va souffler deux fois. Une fois et deux fois. Ensuite, on revient. Toujours faire le massage, 30 compressions et 2 insufflations. Une et deux, et on refait les 30. On peut faire cet exercice pendant peut-être 6 cycles et s'apercevoir que la personne, soit elle est morte ou elle revient. Et si elle revient, elle va commencer par tousser ou par rendre, et puis au fur et à mesure, la personne revient. Et une fois il y a un signe, on arrête tout de suite le massage et on attend le service d'urgence pour l'emmener à l'hôpital. Eh bien, voilà quelques temps forts de cette émission Instant Santé pour le compte de l'année 2022. Une émission dont le but est d'informer, de sensibiliser le plus grand nombre sur tout ce qui concerne le domaine sanitaire. À vous qui restez fidèles au programme de Gabon 24. Bonne et heureuse année 2023 et que la santé soit votre partage.